Et finale à 7 donc, avec deux Françaises. Nos deux meilleures chances, faut bien le dire, au couloir 8, Myriam Soumaré est juste derrière. Couloir 7, Lina Jacques-Sébastien, même si ne nous le cachons pas, la tâche va être très compliquée. Oui, oui, bien sûr, ce serait une très très belle réussite si l'une des deux arrivait à prendre une médaille. Oui, parce que c'est déjà exceptionnel leur parcours ici. Ouais. Les Russes sont au-dessus. Bon départ de Myriam Soumaré, Lina Jacques-Sébastien doit se mettre en action maintenant alors que Fedoriva est parti comme un avion en action. Fedoriva qui va sortir certainement en tête, mais toujours Myriam Soumaré qui est pas mal. Oh, ça va être chaud cette dernière ligne droite. Fedoriva qui va être championne d'Europe. Myriam Soumaré qui est toujours dans le coup. Myriam, c'est pas vrai, elle est championne d'Europe. Elle est championne d'Europe. 22-31, c'est énorme. C'est incroyable, 22-31. Myriam Soumaré qui réussit l'exploit de ces championnats d'Europe. Oh, incroyable, oh, incroyable. 7 dixièmes à son record, 23-01. Elle n'y croit pas, elle n'y croit pas. Cette course qu'elle nous fait. Non mais là, c'était pas possible. Personne ne pouvait le prévoir. Non mais c'est fabuleux. C'est le genre de choses qui ne peut arriver qu'à des athlètes comme Myriam Soumaré qui a commencé très tard. Elle se met à s'entraîner régulièrement. Elle ne connaît pas son talent. Elle ne connaît pas son talent. Elle a commencé à l'âge de 15 ans. Elle n'y croit pas. Elle ne croyait peut-être pas encore tout à fait à elle. Enfin, elle y croit bien sûr parce qu'elle y prend goût. Alors, je ne sais pas s'ils ont France Télé. Je ne sais pas s'ils ont France Télé. C'est exceptionnel. À Nouakchott via TV5. Mais ça doit être quelque chose en Mauritanie parce qu'elle est originaire de la Mauritanie. Myriam Soumaré qui est une fille extraordinaire. Regardez là, elle comprend pas ce qui lui tombe sur la tête. Fedoriva, elle se dit mais c'est pas possible. Non. Qui c'est cette fille qui m'est passée là? Honnêtement, c'est la bombe de la semaine. Ah non, mais vous êtes pas d'accord. C'est incroyable parce qu'elle avait pris un départ canon, mais ça on l'avait déjà vu. Et je me disais quand est-ce qu'elle va craquer? Moi aussi je me disais quand est-ce qu'elle va craquer. Et elle est revenue. Elle est revenue. C'est les autres qui ont craqué. Regardez, mais c'est incroyable. Et vous noterez que Brizina fait comme sa maman. Elle a fait comme sa maman les médailles d'argent. Et regardez Myriam. Derrière une Française. Médaille d'argent une nouvelle fois derrière une Française. Ouais, et ouais. Avec également la meilleure performance. Regardez Myriam. Non là franchement. C'est pas une crise de nerfs, c'est une crise de joie. Non hein. c'est une. même Lina n'y croit pas hein, parce qu'elles se connaissent. Mais même Lina, Jacques-Sébastien dit mais qu'est-ce que tu nous as fait. Elle doit se dire mais Myriam. Qu'est-ce que tu nous as fait Myriam. On revoit non, la course Steph. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur de ce qui pouvait arriver. Elle a pris un départ excellent à... Meilleure performance européenne de l'année battue. Alors ça. Et alors là, elle tient parce qu'on se dit elle va pas tenir. Ça, c'est la grosse cote. Hein. Ah bah là franchement, moi je parie jamais en ligne, mais enfin là, il y avait gros quand même. Hein. Oh là 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 là. Fallait parier en ligne extérieure. Et regardez, Fedoriva qui casse très tôt. Et parce qu'elle s'aperçoit que Soumaré la déborde, donc elle casse. Mais du coup, ça fait l'affaire de Brizgina qui lui prend la deuxième place. Regardez comment Fedoriva va s'apercevoir de Soumaré qui la déborde. Est-ce qu'au moins regardez ça, elle casse si elle doit voir. C'est pour ça qu'elle se jette. Elle gagne très largement hein. Non, je dis Myriam, est-ce qu'elle a... Alors attention, on va faire quand même on va faire la bascule quand même, ça on est obligé parce qu'il y a le 20h. Bah oui, on va pas quand même manger le 20h de France 2. Si vous restez sur la 2, c'est le 20h. Que du bonheur, mais si vous restez sur la 3, si vous allez sur la 3, je peux vous dire qu'il y a la finale du saut à la perche avec 3 Français. Je peux vous dire que Myriam, elle va rejoindre Nelson Montfort, et je peux vous dire qu'on va pas s'ennuyer ce soir sur France Télé et sur France 3. Donc soit vous restez sur la 2, soit vous allez sur la 3, mais dans tous les cas, c'est vive l'athlète, c'est rien que du bonheur. C'est génial. Vendu. Ouais. Dans l'appartement, c'est de la folie là-bas.